Bonjour Benjamin Berton, Bonjour. je suis très heureux de vous recevoir ici. Vous sortez votre 10e roman aux éditions Hiver Nucléaire, il s'appelle L'île merveilleuse. C'est un titre qui d'emblée fait penser au roman d'aventure du 19e siècle. Est-ce de cela dont il s'agit? Ouais, tout à fait, un roman d'aventure dans l'esprit du 19e. Ça faisait un moment que ça me trottait à l'esprit cette idée de faire un roman d'aventure. Comme gamin, en ado, j'ai toujours lu énormément hein, de livres, Jules Verne, Jack London, un petit peu plus tard, Melville, Burton, etc. Et je m'étais toujours promis de m'essayer au roman d'aventure, qui est un genre qui est un plus très à la mode hein, aujourd'hui, ou pas d'aventure maritime comme c'est le cas ici. Et voilà, je m'y suis risqué. Alors c'est à la Jules Verne au sens où on est sur une aventure moderne et contemporaine. Je voulais pas un roman d'aventure 19e qui se situe dans le passé, mais j'ai voulu en faire quelque chose qui soit qui parle de la société d'aujourd'hui et qui soit sur les défis du moment, l'écologie, la manière de se nourrir, etc. Ouais. Vous faites référence à Jules Verne. Quel lien y a-t-il entre le livre et lui, et éventuellement entre Jules Verne et vous? Difficile d'échapper à Jules Verne hein, lorsqu'on essaie de travailler sur du roman d'aventure, un petit peu d'anticipation. J'ai voulu faire du Jules Verne qui ne soit pas du Jules Verne faisandé, c'est-à-dire à la manière d'eux, mais j'ai essayé de reprendre les codes de Jules Verne, c'est-à-dire être toujours en avance sur son temps, avoir une approche presque scientifique dans l'écriture, c'est-à-dire être vraiment sur des péripéties assez traditionnelles à la Jules Verne, les tempêtes, l'exploration marine, l'attaque des pirates, etc. Tout en étant néanmoins sur des choses très très précises en termes d'inventivité, en termes de technologie. C'est à la fois un roman d'aventure, mais aussi un roman d'aventure scientifique. Et ça me semblait être le vrai hommage à Jules Verne que d'aller fouiller à droite à gauche dans la doc, sur les blogs, des livres de science, toutes les technologies qui sont mises en scène hein, dans le livre, que ce soit la culture marine, l'aquaculture, les technologies de déplacement, les sous-marins, les mécanismes de culture, sont des choses tout à fait plausibles et qui reposent sur des études avec une portée soit présente, soit à 2 ans, à 5 ans, à 10 ans. Comme dans les livres d'époque, votre roman est illustré avec des dessins qui sont de Michaël Janvier. Qu'est-ce que ça apporte selon vous? Pour moi, il est difficile de concevoir ces romans d'aventure, et notamment l'hommage à Jules Verne, sans ces gravures. Quand j'étais gamin, c'est vrai que ça me faisait vraiment voyager, là, quand je lisais Le Tour du Monde en 80 jours, tout ça, il y avait ces dessins en noir et blanc, Léon Bennett, Jules Ferrat, qui étaient les grands illustrateurs hein, de Jules Verne. Et il me semblait important dans la démarche de pouvoir placer aussi ce type de dessin. Et donc Michaël Janvier, avec qui j'avais déjà travaillé sur d'autres projets, des affiches de concerts notamment, était intéressé aussi par l'idée de se lancer dans ce travail-là. Et je lui ai demandé, avec son style, hein, qui n'est pas celui d'une gravure 19e non plus, d'essayer de bosser sur des illustrations en appui du texte. Et il me semble que ça permet aussi de fixer l'attention. Alors aujourd'hui, la force de l'image a évidemment plus du tout le même impact hein, que ce qu'on pouvait avoir lorsqu'on découvrait ces gravures, soit dans un ouvrage relié, soit dans un journal en illustration. L'image est partout, mais il me semblait qu'il y avait quand même encore un certain charme et une certaine séduction. Et le livre travaille plutôt différemment d'un livre traditionnel avec cette douzaine d'illustrations, la couverture. Je pense que ça peut aider à nourrir l'imaginaire aussi. Et à propos de nourrir l'imaginaire, en plus d'illustration, il y a une bande-son, ce qui est relativement rare pour un livre. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, toujours sur cette idée un petit peu d'augmenter le plaisir de lecture et de travailler sur du multimédia, j'avais déjà sorti sur mon Bandcamp.
deux bandes originales qui étaient des sortes de compiles hein, de musique existante sur Le Nuage Radioactif à l'époque et sur J'étais la Terreur. J'aime bien lire en écoutant de la musique et bon, je fais toujours pas mal de critiques de musique sur un webzine et il me semblait sympa de prolonger un peu l'univers du roman par une bande-son. Alors j'ai eu cette fois-ci la chance que Stephen Jones, qui est un compositeur anglais qui a été connu dans les milieux des années 90 sous le nom de Baby Bird, vous regarderez sur YouTube, il avait un tube qui s'appelait You're Gorgeous, qui a vendu des millions d'exemplaires, etc. Et on se connaît depuis pas mal de temps, et il a lu le bouquin. Et proposer cette fois-ci une bande originale, originale pour le coup, inédite, qui est calée vraiment sur l'intrigue, l'univers marin, maritime du bouquin. Et voilà, je trouvais ça super de la proposer. Donc la bande originale hein, est téléchargeable là aussi un petit peu partout sur Bandcamp, sur le mien, sur le site de l'artiste, gratuitement. Vous pouvez donner un petit peu si vous voulez, mais l'idée était vraiment de pouvoir l'écouter à part ou dans la continuité. Pour revenir au livre en lui-même, l'histoire repose sur un mouvement anglo-saxon qui s'appelle la Blue Economy. C'est bien ça? C'est-à-dire l'économie bleue? Tout à fait, économie bleue. Alors en France, c'est un truc qui n'est pas encore totalement arrivé chez nous. Les plus perspicaces se souviendront peut-être que Jean-Luc Mélenchon avait fait quelques références à cet épisode ou ce mouvement lors de la campagne présidentielle. Ça avait semblé assez incongru. Donc l'économie bleue, dans l'acception que j'utilise, part du principe que, évidemment, les surfaces marines occupent la grande majorité de la surface du globe et que l'homme, une fois qu'il aura bien ruiner les ressources terrestres une fois que les terres fermes seront devenues totalement inhospitalières, aura intérêt à essayer de rebâtir sa richesse, rebâtir sa civilisation sur les mers. C'est une approche à la fois sociale, politique, économique dans ses différents dérivés qui peut amener un deuxième et un second mouvement hein, qui sert d'inspiration au livre, qui est un mouvement là aussi dominé par les anglo-saxons. On en trouve quand même pas mal de supporters en Hollande qui a vraiment une politique d'occupation de l'espace marin assez fort, qui s'appelle le Seasteading, le mouvement Seasteading, qui veut dire littéralement s'installer sur la mer. Et en fait, j'ai lié donc l'approche de l'économie bleue, qui dit que la mer va avoir son importance, à ce mouvement qui envisage véritablement de fonder des villes, de fonder des habitats humains, alors de 2 à 10 000 personnes, et de les faire flotter plus ou moins loin des côtes sur l'océan. Et c'est cet exemple que vous prenez dans votre livre, puisque en fait, il s'agit d'une ville de 8 000 ou de 10 000, enfin de 10 000 habitants qui flotte sur l'eau, quoi, qui est une île qui s'appelle New Cap. Ouais, tout à fait. Donc dans le bouquin, on part à l'aventure sur cette fondation d'une cité de taille relativement modeste, hein, 5 000-10 000 habitants, mais qui envisage, évidemment, c'est une sorte à la fois de cité-État sur le modèle des cités-États du Moyen-Âge. C'est aussi une aventure presque de science-fiction qui est l'idée d'avoir fondé un État indépendant dans les eaux qui sont totalement inhabitées, lointaines, à quelques centaines de kilomètres des côtes et des pays habités. Ce qui m'intéressait là-dedans était véritablement de décrire ça très précisément, un peu comme l'aurait fait Verne, c'est-à-dire voilà comment on fait, comment techniquement ça peut flotter, comment techniquement cette ville-là peut fonctionner, comment on se nourrit, comment on se divertit, comment on vit, quels sont les rapports de classe sur cette ville, et de voir évidemment, et c'est ce qui est intéressant d'un point de vue romanesque, quelles sont les difficultés, les aléas, les coups du sort qui vont faire que cette entreprise est vraiment une entreprise pionnière et va avoir collectivement à résoudre un tas de problèmes, évidemment, pour fonctionner. Votre personnage principal est un jeune scientifique qui n'a jamais voyagé et qui est spécialisé dans le développement de l'agriculture aquatique. Pourquoi ce choix?
J'avais envie sur un roman d'aventure d'avoir un personnage qui soit un enfant. Au départ, j'étais parti là-dessus, un peu sur le modèle de L'île au trésor, un petit gamin d'une dizaine d'années. Et puis finalement, ça fonctionnait pas trop dans le cadre d'un roman scientifique parce que il y avait un problème de crédibilité. Un gamin de 10 ans pouvait pas recevoir des enseignements, pouvait pas vraiment bosser, encore que dans certains pays ça se fasse un peu. Mais voilà, donc je suis revenu à un personnage un petit peu plus proche de, je veux pas dire de moi, j'ai plus vraiment 20 ans, mais un jeune étudiant un peu scientifique, classe moyenne, modeste, qui n'a pas beaucoup voyagé et qui a quelques talents. Donc c'est un jeune homme qui vient de décrocher son diplôme et qui va bosser sur les questions d'autosuffisance alimentaire de la colonie, de la ville flottante, en développant là encore quelque chose qui relève de l'économie bleue, qui est cette capacité à faire de l'agriculture en mer. Donc agriculture, poisson, mais pas que dans le livre. Et ce personnage-là a la caractéristique de pouvoir avoir un certain savoir, de certaines connaissances, et d'être un bon point d'appui pour développer certaines inventions, certaines technologies, tout en gardant une super fraîcheur. C'est l'œil neuf, il a un petit fond naïf, il n'a pas connu l'amour, il n'a jamais voyagé, et je trouvais que c'était un bon personnage d'aventurier qui va se construire et se former au fil du bouquin. Est-ce que c'est un peu vous, ce personnage? Oui et non, toujours un peu. Alors, si on considère que moi, j'ai pas bougé du monde depuis à peu près 10 ans, que je voyage très peu et que j'ai un tempérament aventurier qui est quand même bien caché, voilà, oui, on est très proche à cet égard-là. Voilà, bon, je suis surtout un aventurier dans ma tête, quoi, plus que voilà, je prends pas l'avion ou très peu. Voilà, voilà, donc on est proche. J'aurais pu être ce gamin si j'avais pas été un aussi casanier, ouais. Vous ouvrez le livre par une citation du fondateur de NewCap qui dit: Ça n'a rien à voir avec Waterworld. Vous parlez bien du film fameux avec Kevin Costner? Ouais, tout à fait, oui. Souvent, quand je commençais à parler de ce bouquin avec des amis, l'idée de fonder une ville sur l'océan, tous ceux qui ont un certain âge comme moi et qui avaient vu m'ont dit: Ah oui, mais c'est Waterworld, bien sûr. Waterworld, pour ceux qui l'ont pas vu, hein, c'était une sorte de Mad Max aquatique qui était arrivé au moment où Kevin Costner était au firmament de sa carrière. Donc c'est un four terrible, qui n'est pas un mauvais film. Je l'ai revu il y a pas si longtemps. Il y a Dennis Hopper dedans, pour ceux qui aiment bien Dennis Hopper. Il y a des bons mouvements de caméra, les décors étaient assez marrants. Et c'est un film, pour l'anecdote, qui a été filmé en pleine mer, où ils ont eu plein de problèmes, c'était totalement désastreux. Kevin Costner avait des problèmes avec sa chevelure aussi, qui était extrêmement pénalisant pour le tournage. Donc le livre n'a absolument rien à voir avec Waterworld, même si je recommande de revoir Waterworld. Qu'est-ce que vous espérez de ce livre? Qu'il divertisse, qu'il soit lu par quelques personnes, hein. C'est toujours un petit peu le but de la manœuvre. J'aimerais bien qu'on dise qu'il est assez enlevé. Le but était vraiment d'avoir un livre assez vivant, avec des péripéties qui se lisent plutôt vite. Après, deuxième objectif qui est à peine caché, c'est aussi d'essayer de populariser ces thèmes-là. Ça fait un moment que j'essaie d'écrire autour des enjeux. Alors, c'est pas hyper original, climatique, écologique, etc. Et être l'ambassadeur de ces thèses sur l'économie bleue, le seasteading, était quelque chose plutôt d'amusant. Et si les personnes qui lisent peuvent apprendre deux, trois trucs sur ces choses-là, et ben j'en serais très content. Ouais. Vous parliez tout à l'heure de plaisir de lecture, et c'est vrai que le livre est facile à lire. À qui est-ce qu'il s'adresse?
Bon, à tout le monde, j'ai essayé de le revendre à mes enfants. Ils n'ont pas encore réussi à dépasser la page 20 pour le moment. Mais voilà, enfin, c'est un livre. On parlait de Jules Verne tout à l'heure. Si vous relisez Jules Verne aujourd'hui, c'est assez difficile à lire. Il y a des développements un petit peu savants qui sont un peu étouffe chrétien une centaine d'années plus tard. Là, le bouquin, j'ai essayé quand même d'avoir un certain niveau de langue, un certain niveau d'écriture, tout en essayant d'en faire quelque chose de distrayant. Donc bah voilà, je pense qu'il n'y a pas il y a pas de limite d'âge, ou alors de 7 à 99 ans, comme on dit. Le livre sort aux éditions Hiver Nucléaire et est diffusé notamment sur Amazon. Qu'est-ce que cela signifie? Ben, ça signifie que le livre, pour moi, ben, il va exister comme je l'entendais, avec ses images, ses dessins, avec cette musique. C'est un livre que j'ai proposé, hein, pour être honnête, à deux ou trois des éditeurs avec lesquels j'avais travaillé par le passé, qui n'ont pas mordu à l'hameçon, qui n'ont pas été intéressés, soit que les thématiques soulevées les avaient pas forcément intéressés, l'idée de faire ce travail sur le roman d'aventure n'était pas forcément enthousiasmant. Et bah, j'ai eu cette occasion avec les éditions Hiver Nucléaire, qui me semblait plutôt intéressant. Aujourd'hui, hein, on voit bien que le marché du livre, encore plus dans cette période-ci, bah, il est un petit peu en train de changer. Moi, je connais bien le marché de la musique qui a évolué beaucoup vers ou de l'autoproduction ou des circuits un petit peu alternatifs. Clairement, je me pose un peu en écrivain alternatif, et même si, évidemment, en tant qu'auteur, en tant que lecteur, j'adore aller en librairie, j'adore tomber sur mon bouquin sur des étals, bah, disons que ce qui est le plus important pour moi, c'est bien que l'histoire, elle puisse être éditée, qu'elle puisse vivre, et bah, là, en l'occurrence, je peux me passer du plaisir de voir le livre pendant 3 semaines. C'est rarement plus sur les étals d'une librairie. Donc il me semble que le format qui est adopté va permettre de rendre le livre disponible et de le partager vers un certain nombre de personnes. Ouais, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Le roman est optimiste, ce qui n'est pas si fréquent que ça chez vous. De Sauvageon au nuage radioactif, en passant par la chambre à remonter le temps, vous êtes plutôt un auteur sombre, non? Ouais, il y a toujours une pointe d'optimisme, mais c'est vrai que cette fois-ci, enfin, c'était un livre que je voulais vraiment tourner vers l'espoir, vers cette espérance, hein, de changer de civilisation. Alors c'est un peu bizarre de dire ça, un peu niais peut-être, mais ouais, je voulais un roman de la reconstruction. Alors il se trouve que c'est pas un thème qui est totalement solitaire, hein. Je suis pas le seul à appeler cette réalité de mes voeux. Bon, il aura échappé à personne qu'on n'est pas forcément dans une situation brillante en tant que civilisation, économiquement, socialement, etc. Bon, ça c'est le côté noir qui ressort. Je voulais à travers le roman vraiment ouvrir des horizons et proposer une histoire vraiment pionnière qui fonctionne, quoi. Pour moi, c'est ma conquête de l'Ouest, et c'est un roman qui, de ce point de vue-là, amène de l'énergie et peut-être de quelques réponses politiques, sociales, techniques à des questions qu'on n'arrive pas à résoudre actuellement. Ouais. Est-ce que Jack London représente quelque chose pour vous? Ben, Jack London, c'était le second un petit peu modèle, hein, après Jules Verne sur l'écriture de ce livre. On retient beaucoup chez Jack London le côté aventure, Grand Nord. Il y a eu pas mal de romans maritimes aussi. Moi, ce que je retiens de Jack London, c'est que souvent, il proposait une vision qui permettait de transformer les forces en présence, une vision qui était très marquée par, disons, les frictions entre classes. Sociale notamment, une friction qui pouvait agiter la société et qui était des forces qui sont souvent et assez souvent un peu ignorées aujourd'hui dans la littérature. Donc Jack London, oui, influence pour proposer un projet de transformation et d'évolution qui passe par l'individu premièrement, mais aussi par une réorganisation collective. Et le livre est un peu placé sous ce double parrainage, hein, d'une aventure bonhomme et assez premier degré, et d'une volonté quand même de proposer une petite réflexion sur
sur l'évolution du monde. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous.